Bien le bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai mis ce qu'il fallait ici pour que le personnel travaille correctement. On va démolir, on va déjà tuer ça, hein, en premier lieu, voilà. Ensuite, tout le monde va frénésie de mouvement à l'eau. Je voudrais que Sky reste dans le coin. Donc elle va transporter les rations. Bud va manger un... Elle prend les plats raffinés. Elle transporte les plats raffinés, ça sera mieux. Ok, Tommy a terminé ici. Nous allons démonter... Tommy, tu fais quoi, toi? Tu voudrais dormir un petit peu, tu peux, vas pas manger tout de suite. Construction, t'es pas génial. T'es certainement pas bon en minage. Eh bien, tu vas ramener des trucs, tu vas me faire ça. Voilà. Parfait. Dan fera les deux autres. Libellule est parti logiquement miner du plastacier. Parfait. Et je voudrais que dès que ceci est terminé, vas-y Sky, tu restes un peu dans le coin, donc tu vas me prendre ça. Voilà. Comme ça, dès que ceci est fini, on va pouvoir faire... Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Grizzly, alors, tu vas décharger l'inventaire. Grizzly, on va te mettre un lit pour que tu puisses être soigné. Voici un petit lieu de couchage qui sera très bien pour toi. 1, 2, 3, 4, 5, on va en mettre 6. Et Grizzly, tu vas te reposer. Grizzly. Ça va être un médical. Et Grizzly, tu vas te reposer jusqu'à guérison complète. Avec notre cher Sky, qui va venir s'occuper de toi tout de suite. Ensuite, on va construire une porte. Et c'est ça qui m'intéressait, une porte en ardoise, ici et ici. C'est pas de l'ardoise, c'est quoi? C'est des blocs d'ardoise. J'en ai 75. Donc logiquement, j'ai plus qu'assez. But d'ailleurs, tu vas apporter. Voilà. Comme ça, on va pouvoir nous faire une petite pièce pour un prisonnier. Sky, t'as pas besoin d'aller mettre ça à l'autre bout de la pièce. Et tu viens soigner Grizzly. C'est exactement ça que je voulais. Parfait. Ok. Bud, maintenant tu viens m'attaquer celui-là. Besoin de matériaux en bois. Non, pas une porte en bois que je veux faire. C'est une porte ici. Voilà. Donc Bud vient me faire celle-ci. Ah ben, Sky est occupé. D'abord. Ok, Grizzly, t'es soigné. Nourriture, tac tac, tout ça. On va t'effacer ta zone et tu vas décharger l'inventaire. Bon bah vas-y. Alors qu'est-ce que je sais plus qu'est-ce qu'on a? On a de l'uranium quand on démonte. Les coffres. Donc là, on a Craig. Dès que la porte là est finie, on va pouvoir faire une copie de ceci. Voilà. Bud, t'es capable de faire ça, toi? Ou tu risques de rater?
92%, ouais, on va tirer de là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Une fête. Mais quelle idée d'aller me faire une fête. Excellent, celle-là, il me faut une fête maintenant, quoi. Non, on va pas déconner trop. Toi, tu es parti miner du plastacier. Les autres ici me terminent mes bidules. Non, pas de fête, hein, mec. Et Libellule, elle mine des plastaciers. Elle va rester bien comme elle est là. Bud, il n'est pas question que tu me fasses une connerie pareille. Tu vas miner du plastacier, voilà. Fête, Bud, tu. Bud organise une fête. Il n'y a pas de fête. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah non! C'est où ça? C'est quoi cette histoire? Expliquez-moi un petit peu pourquoi quand j'ai un mec, un groupe qui part pendant une journée, même pas une journée, à l'extérieur, je me prends un raid. Une journée à l'extérieur. Et on est à la fin d'avril-mai. Normalement, il n'y a plus rien pendant cette période-là. Comment on va s'en sortir? Bon. Il me faut quelqu'un avec ça, de toute façon. Donc, mon meilleur, c'est qui? Mon meilleur mêlé. 10. Palourde. Bio. Narcisse n'est pas mal non plus, parce qu'il est robuste. Donc on pourrait mettre lui ici. Qui s'en serait douté, hein, franchement? Qui s'en serait douté? Eh bien, les petits gars, on va se faire ça proprement. Nous voulons que Best se prenne un casque. Alors, j'ai combien de masters? Je sais pas. Je sais que j'ai beaucoup d'excellents, mais j'ai pas beaucoup de masters. Donc, on va dire que nous prenons anarchiste. Anarchiste, tu prends l'armure de reconnaissance. Tu prends le cataphracte. Alors, si on regarde anarchiste, il avait 115 contre le tranchant. Mais, combien est-ce qu'il fait le Trumbo? Il fait 81,1. Et ça fait... Ben, 105, il n'y a pas photo. Hein, il n'y a pas photo. Vous autres, messieurs, vous frappez... Vous frappez. DPS au corps à corps. Voilà. Pénétration d'armure en mêlée, 30. Ok. Et vous me faites du 6-20. À moins que vous ayez une...
À moins que vous fassiez tous la même chose ou pas. Intéressant de savoir ça. Vous faites tous du 6-20, vous avez l'air de faire tous du 6-20. Il n'y a pas de meilleur que d'autres. Non, il n'y a pas de meilleur que d'autres. Alors, anarchiste, tu cours, tu voles faire prendre ça. Donc on va plutôt te le mettre comme ceci. Tu viens, tu me prends ça, tu me prends ceci, et tu me prends le master. Et tu viens ici. Ensuite, nous prenons les animaux. Nous prenons les animaux. Et nous disons à tous nos animaux qu'ils repassent en intérieur, herbivore intramuros. Parfait. Et toi avec, parce que je vois que tu as le droit également de transporter maintenant. Et tous les autres viennent là, sauf mon petit Giro qui est passé en carnivore intramuros. Toi, c'est fait aussi. Ensuite, le planning. Tout le monde passe en intramuros. Voilà. Chauve. Vous foncez. Ici. Autorisé, maintenir ouvert. Et maintenir ouvert, autorisé. Donc chauve. Vous venez. Ici, vous foncez ici. Non, pour le moment, ça, c'est pas autorisé. Donc, chauve, tu viens là, et tu reviens ici. Ça, ça reste ouvert. Ok, ici, ça va rester ouvert. All right. Mademoiselle Vache, vous allez, vous avez un bon petit bidule là, bien chef d'œuvre, c'est parfait. Donc vous allez passer là, d'équerre. Votre santé, mouvement, manipulation, vous pouvez venir travailler. Donc, vous venez ici. Anarchiste, c'est fait. Maker, venez ici. Palourde. Palourde, vous êtes une bonne petite... Vous avez une bonne mêlée. Vous allez me prendre un casque. D'abord, où est-ce que vous avez du bon matos sur vous? Matériel. Gilet pare-balles. T'as pas le meilleur, hein? Mais tant pis. Ouais. Donc, palourde, tu viens te prendre un casque, disons un master, si on en trouve un, voilà. Master. Et tu te prendras excellent. On va te prendre ça, j'ai même pas mon truc anti... Ouais.
va prendre ça ensuite. Et puis tu viendras là-bas. Qui va être mon troisième personnage, Best. Best est bon partout. Tu viens comme ça. Tu te prends un master, il n'y en a plus. Tu te prends un excellent. Et tu te prends... Je crois que ça s'est pris déjà. Et tu te prends un autre excellent ici et tu viendras dans ton petit coin. Ensuite, nous avons Trince. Trince, tu vas prendre tout simplement ceci. Tu vas équiper le minigun et tu viendras te mettre là. Pas du tout. D'ailleurs, vache. Va plutôt ici, ma chérie. Tritz, tu prends ça et tu viens là. Best, c'est fait. Lisa, ma chérie. C'est pas mal ça ce que tu es, toi. Allez, viens ici, ma petite Lisa. Parfait. Allô, il n'y a plus que toi. Bon, bah, tu vas comme ça. On va trouver une autre arme d'ici peu. Voilà, tout le monde. Non, Rimmen encore. Rimmen. Mange. Est-ce qu'ils sont à tous les flingues? Anarchiste, tu me fais quoi? T'enfiles, ok. Allez, Rimmen. On va prendre ça. Ou plutôt... Là, ici, Rimmen. Où est-ce qu'il est mon... ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un âme qui rentre. Ok. Puis dépêche, petite âne. Chauve, tu cours aussi à mon petit jeu, là. Hein? Allez, Rimmen. Maman, tu vas pouvoir récupérer une arme un petit peu meilleure. Vache. Viens ici, et puis reviens là. Ça, on va le fermer pour l'instant. Logiquement, je pense que le chauve va y arriver. Avant de se faire avoir. Ok. Donc, je veux quelqu'un, comme par exemple cette personne-là. On va maintenant ouvrir ceci, garder ça ouvert. Trince, tu ne vas pas être assez rapide, tu vas venir toi là et tu reviens ici toi. Voilà. Donc nous avons maintenant Rimmen qui peut apprendre une bien meilleure arme. Voilà. Ok, Decker. Vache.
Ok. Rimen, tu as un... Ah ben, c'est à peu près la même chose, tu viens... Best, tu vas là. Chauve, tu viens ici. Ça, ça se referme. Allô, t'as quoi? Lourd, bon, c'est pas terrible ça. Prends-moi ça. Donc, tout le monde est prêt, sauf une seule personne qui s'appelle anarchiste, mais qui arrive bientôt. L'âne. Ok, l'âne, il revient, vite fait, bien fait. Ok, tout juste mon petit. Hein. Voilà. Ben voilà, voilà une bonne chose. D'ailleurs, Chauve, tu vas revenir ici. Ça faisait longtemps que je n'avais plus pété de ces trucs-là. Hein. Qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur? Tu vas attaquer mon âne. Où qu'il est, mon âne, hein? Il est rentré, mon âne. Il est là, mon petit âne. Regarde. Hop. Toc, toc, toc. Ça faisait longtemps qu'on avait pu utiliser ce truc-là. Hein. Mais pour le moment, ça ne va pas leur faire de tort. Bon, il y en a quand même beaucoup. Hein. Heureusement qu'on a pas mal d'avance. Hein. Oh, vous fouillez, les gars? C'est rare, ça. Hein. Qu'est-ce qui se passe? T'en as marre? Tu veux rentrer? Ils ont plus de morale, hein, ça doit être ça. Ah, ils sont buggés là. Non, ça y est, ils sont débuggés. Ok. On va laisser encore 3-4 se péter le nez. Enfin, chien fou, hein, des trucs. Allez, on ferme la porte. Genre, hop. Reviens là. Toi, tu viens ici. Et on dit que la porte reste ouverte. Ok. Jean. Fonce. Ah. Oh, ça va, hein. Ok, porte ferme, c'est bon. Anarchiste, reviens ici. Toi, mon ami, voilà. Et tu vas faire un petit peu de construction, voilà. Bon, ben, il n'y en a plus que 4. Fini. Ne me dis pas, anarchiste, que... Si, hein, tu as un casque, hein. Ouais, casque de cataphracte, agonie et ton armure de reconnaissance. Voilà. Bien, Jean. Eh bien, mon ami, tu veux pas aller manger maintenant, tu vas me faire ceci. Un colon a besoin de soi. D'accord. T'es déjà foutu. Ok. Est-ce que t'as de la douleur? Come on, boy. Come on. Non, ça va. Jean.
Toi, t'as de la douleur, hein? Comment ça se fait que cette porte est ouverte? Elle est morte, il n'y a plus de porte. D'accord. Ok. Ok, on a fini. Ah non, il en reste encore un. Toi, tu vas nous enquiquiner. Hein? Mauvaise bête, va. Palourde, tu es en mauvais état, ma chérie. Hein? Pauvre palourde. Alors, on va t'envoyer où? Ces mecs-là, vous savez ce qu'on va faire avec ces gens-là? On va les foutre dans le caisson jusqu'au moment où il y a quelqu'un dans les caissons jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui revient. Donc palourde, ma chérie, tu vois quoi comme une masse en uranium? Tu vas rentrer et tu vas faire ce que tu veux, mais normalement. Enfile un manteau. Oui, ton manteau a dû prendre un méchant coup, c'est ça? Montre-moi ton manteau. Ouais, t'avais pas quelque chose de terrible, toi. 27,9 seulement, ton manteau. Ouais, sincèrement, là, elle est pas bonne, hein, la cure de dromadaire. Hein. Mais bon, donc on n'a pas autre chose. Tu vas te soigner, ma chérie. Ouais. Rentre te soigner. Ensuite, je veux. Ici, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Bon, Jean. Tire-moi ce truc-là. De là. Ok, merci. Tire-moi ce truc-là. Les autres, je voudrais bien que tu les enlèves aussi. Ah, t'es parti me... T'es quand même un enfoiré, toi. Ah, tu viens me buter ce truc. Ah. Ok. D'accord, j'ai compris. Bon, on voit qu'il y a une... Ici, il n'y a plus de porte. Elle est cassée. D'accord. Et là, c'est une porte en ardoise. Porte en métal. On va construire une porte ici. Alors... Allez, on y va comme ça. Nous allons prendre. Alors toi, t'es blessé aussi fort ou pas? Non, toi, t'as rien. Hein? Ah ouais, t'as perdu ton gros orteil. Carrément perdu le gros orteil, quoi. D'accord. Allez, voilà, mange ta pâte. Alors. Bah, tous les autres, vous rentrez, vite fait. Best, tu vas transporter, pas du tout. Voilà, qu'on le voit un petit peu clair. Hein. Bon, maintenant tu vas me faire du dégât. Pas très grave.
On va prendre quelqu'un qui marche vite, il n'y a personne. Si on a le chauffe qui est quand même là. Pas lourde. Viens ici, ma chérie. Les vaches. Pas extrêmement dangereux. Quand on te donne un bon médoc, c'est pas la peine de. On a tout ce qu'il faut. Parfait. Ensuite, anarchiste. Et tu t'amuses bien. Allez, nettoyage, comment je fais ça? T'as plus toi. Me pète tout, hein? Ouais. Ah, pas tout. Tu m'as laissé mon fauteuil et mon truc. Ok. Comment es-tu, mon ami? Alors, je veux que. Allô? Tu me soignes ce mec? Vite fait, bien fait. Ah. Ok, maintenant on va se rhabiller. Messieurs, on a encore besoin de vous. Alors, d'équerre.
Allez, chauffe, on revient ici, mon ami. T'auras pas le temps de manger maintenant. Viens, ma chérie. Becker. T'es dû occupé de manger? Non, pas encore. Allez, hop, au boulot. Marchiste. T'es soigné? Pas encore. Becker. Allez, au boulot. Lourde, on peut plus rien faire avec toi, malheureusement. Rien même. Allez au boulot. Lisa, tu as une très bonne, mais tu sais pas du tout te battre en mêlée. Mais que bon. Mangeons après. Je sais pas ce que tu fais. Tu vas nourrir Robertson. Robertson, lui, n'a pas faim. Je vais me prendre ça. Et on repasse ça ici. Best, mon ami Best. Excellent. Je crois qu'il y a un. Ouais, c'est bon. Et Trince. Trince. Demande si c'est pas toi qui pète les portes comme ça, hein? Best. Ok, tu reviens tout de suite ici, mon petit anarchiste. Ça, c'est anarchiste. Best. Là, plutôt là, anarchiste, viens ici. Ok, je crois que tout le monde est pris. Là. Là. Lisa, ok, allô, non, allô, tu dois aussi venir dans le coin. Et je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Lisa, Best. Ah, messieurs, dames, au boulot. Et ensuite, on s'occupera un petit peu de nos copains de l'autre côté, là-bas. Ok, on a fini. Bon, ben, c'est pas trop mal débrouillé dans cette histoire, je crois. Il va falloir repositionner plein de trucs comme ça.
Pour faire ça, il va falloir qu'on garde la porte ouverte. Et puis on va prendre une personne, je sais pas qui encore. Pourquoi pas le chauve, avant qu'il n'aille prendre un truc à la con. Le chauve. Donc on va tous se mettre comme ça. 1, 2. Je vous rejoins après, hein. On va couper la vidéo pour me laisser le temps de remettre tous ces trucs-là. Voilà, c'est fait. Donc j'ai mis tous mes pièges. J'ai interdit les zones pour les humains. Enfin, pour les humains, si on peut dire. Pour les humains en pixels, j'ai interdit ici. En attendant que les animaux me récupèrent tous les faucheurs. Une fois que ça sera fait, je n'autoriserai toujours personne à aller là-dedans. J'enlèverai les animaux et j'irai avec Chauve, sans doute, ou quelqu'un d'autre, porter tous ces trucs-là, un par un. J'ai demandé de tirer un câble ici, hein, comme ça on ne se fera plus avoir notre... on ne perdra plus autant. Hein. C'est un petit peu moins grave. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pourquoi est-ce que tu ne... Il y a encore des dangers? Normalement, il n'y a plus, hein. Ah voilà, c'est fini. Ok, on repasse un petit peu de l'autre côté, voir un peu ce qui se passe. Donc là, les gens, ils ont l'air d'avoir à peu près fini de travailler. Ici au-dessus, non, pas encore. Sky, tu mines ton plastacier, ok, on va les laisser dormir après alors, je suppose. Toi, comment? Tu manges une ration, tu dors, est-ce que je... Oui, je les ai normalement bien mis. Tu dors, Libellule, tu dors aussi. Ok, Dan, c'est ok. Sky, tu mines ok, et puis Bud... Tu dors. Ok, on va vous laisser un petit peu faire. Qui est-ce qui travaille là? Ah, vous me faites une porte. Il n'y avait pas encore de porte ici. D'accord. Ah oui, c'est important ça. C'est important. Grizzly, tu me fais quoi? Tu vas aller faire ça. C'est embêtant. Disons plutôt que je voudrais que tu me ramènes plutôt les composants. Pourquoi? Parce qu'il va pas aller jusque-là. Il va revenir pour aller dormir, pour être sûr et certain. Un peu comme Sky, voilà. N'aura pas le temps. Et on va laisser... combien il fait dehors? 59 en intérieur. Ah, quand même, ouais. Ouais, bon, ça va. Tiendront tous le coup. Allez. Ma chérie, tu vas dormir. Ok. Le fait d'aller dans celui-là, il faisait beaucoup moins. Non, 42, ouais. Ouais, mais tant pis, c'est pas grave, ils vont pas me faire ça très longtemps. Je vais avoir juste besoin ici de mettre donc un lit comme médical. Et on va envoyer... Qu'est-ce qu'il nous reste? Tommy, tu peux pas miner, toi, hein? Non. Vous laissez un peu faire pour l'instant. Alors, un coup de chaleur, oui, c'est anarchiste. Un coup de chaleur, anarchie, il fait combien là-dehors? 66. Oh.
D'accord, oui, il faut pas que j'oublie ça. L'assignation. Voilà, vous allez vous sentir beaucoup mieux comme ça, mes chers enfants. Tous. Et tous êtes beaucoup mieux comme ça. On va d'ailleurs ouvrir ici. Ça, pour le moment, je suspends. Et ça, je suis... Je suspends. Et je vais rouvrir. Voilà. Mais qui vont nous faire quelques petits bonshommes là. Donc mes animaux devraient bientôt y aller, je suppose. Alors, anarchiste. Oh, ça va. Qu'est-ce que tu me fais? Tu avais été où comme ça? Bien, une onde apaisante, bon, ça va. Ah, monsieur anarchiste. Voilà, vous sentez mieux comme ça. Comment ça marche ici? Ok, ils sont tous partis. Tu nettoies, toi, hein, c'est ça? Ouais, c'est pas une bonne idée de nettoyer, mon ami. Je vais te donner un petit peu de travail de démontage. Tu vas me démonter tout ce qu'il y a ici dedans, Dan. Alors, mon ami Dan, Sky, tu es ici, toi. Hein? Ok. T'as faim. Tu vas manger. Dan, tu vas démonter ceci. Et ça, c'est pour Dan. Voilà. C'est une bonne chose de fait. Sky, j'aurais voulu que tu manges. Qu'est-ce qu'il nous reste à manger ici dedans? Qu'est-ce qu'il nous reste à manger? Si plein. J'ai plus que ça. Ok. Sky. Ah, on va manger. Tout ça. Donc ça, c'est affecté aux prisonniers. Voilà. Sky. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste, lui? Santé. Donc, on disait 8 heures, ça va. Ton matos, c'est quoi? T'as une armure de commando normale à 95%. Mais elle est normale. Elle a une belle chemise. Oui, une chemise, on s'en fout. Et donc, ta bio, c'était quoi? C'était affreux. Trop intelligent. Pouf. Qu'est-ce que je vais faire avec cet homme-là? Je vais faire du nettoyage, ouais. Il n'y a pas que ça, il n'y a rien d'autre, quoi. Ouais, bah tu feras du nettoyage, du transport. Tu peux même pas miner. Oh là là, tu peux vraiment rien faire, quoi. T'as un peu de sociabilité. Mal. Combien j'ai de femelles, moi? J'ai une, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8, 8 sur 17. Vous préférez quelqu'un d'autre parce que là, elle doit être un petit peu embêtante tant que je n'ai pas mon... Ah, on va la soigner, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? De toute façon, et on pourra le déshabiller comme ça. Donc on va, le problème c'est qu'il va crever de chaud.